Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Pas de problème de... Ouais, du coup, Return of the Obra Dinn, je streamerai après vers 23h. Donc ce soir, ouais, bah, du coup, deux jeux. Donc j'ai commencé par la démo pré-alpha de Domino. Donc c'est un projet qui est actuellement sur Kickstarter. Hein. C'est un projet que j'ai backé d'ailleurs. Ça faisait longtemps que j'ai pas backé en jeu, mais celui-là, il me vendait vraiment du rêve. Il y a un petit côté, vous allez voir, on pouvait se balader dans les univers et tout, ça a l'air super cool, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, la démo pré-alpha, hein, vous pouvez la récupérer sur le Kickstarter, elle est dispo. Et voilà, mais du coup, vu que c'est une démo pré-alpha, je pense que ça va durer une demi-heure, 1 heure grand maximum. Donc c'est pour ça que je voulais quand même la présenter avant la fin du Kickstarter, si jamais ça intéresse des gens. Et puis comme ça, après, on peut enchaîner avec Obradine tranquillement. Allez, donc c'est parti. Donc là, voilà, donc là, petit disclaimer, on explique que bah, du coup, c'est une version pré-alpha, donc il y a des placeholders, il y aura plein de modifications, c'est pas des niveaux, les niveaux sont pas terminés, etc., etc. Press L to continue. Donc voilà, donc graphiquement je trouvais ça super cool. C'est tout coloré, c'est tout mignon. Ça donne vraiment envie de se balader, voyager. Le Kickstarter a bien fonctionné d'ailleurs. Donc j'espère qu'il aura. Le mec il est tout seul pour faire ça. Et j'espère qu'il pourra faire tout ce qu'il veut en fait, tout simplement. Ok, donc ZQSD pour se déplacer. Barre d'espace, on peut sauter. Avec clic droit, on fait un truc, mais je sais pas ce que c'est. D'accord, si je maintiens barre d'espace, on peut sauter plus haut. Très bien. Dites-moi si le son il est assez fort. Je vais peut-être le monter un peu, non? Ouais, j'ai monté un peu, je pense, parce que la musique elle est pas très forte pour moi, donc à mon avis pour vous, ça va être pareil. On est où? On est là. Tac. Je sais pas trop si le développeur y passera ou pas. J'ai envoyé un petit message tout à l'heure. Yop, Muji. Elle est cool la Zik. Elle est méga cool. Ah, y a un petit côté, le dernier Zelda là, quand on arrive en haut de la falaise comme ça et qu'on voit le monde. Il n'y a rien. Ania, plateau. J'aime vraiment beaucoup la DA du jeu. J'aime vraiment, vraiment beaucoup la DA. Et pourquoi t'as dit choix de Sophie? J'ai pas trop compris pourquoi choix de Sophie en fait. J'ai repensé après, j'ai pas compris le Sophie. Checkpoint. Alors, qu'est-ce que ça fait ce petit cube là? Un pouvoir peut-être? Ah ok, donc maintenant je peux... Oh, je peux dasher! Oh. Bah ouais, la fin de Life is Strange, mais pourquoi Sophie? T'as le choix entre Chloé et Arcadabé, quoi. D'accord, donc ouais voilà, donc le dash ça me permet de me balader ouais, ok. C'est la ville et perdre Chloé ou l'inverse, ouais. Ok, donc on peut collecter les cristaux. Dans le choix de fille, c'est le bébé qui doit choisir en quel enfant sacrifier. D'accord, ok, pardon. J'ai pas la référence. Mais du coup j'ai sauvé Chloé. Et je suis allé voir l'autre fin en replay, enfin en VOD sur YouTube. Et l'autre fin elle est pire quoi. Des Lapis Crabs, ils sont cool hein. Comme ils sont cool. Ah mince. Avec le Power Stone, 1 sur 4, ok.
La deuxième vidéo, j'ai regardé que le début. Ça me plaît beaucoup moins parce que finalement, c'est l'histoire. A priori, c'est la même histoire, mais avec des vrais gens. C'était pas. J'ai beaucoup aimé, par contre, celle qui est courte et qui est avec du cosplay super bien foutu. Là. Comme tout ça. Yotaz. Il y a un checkpoint là-haut. On peut pas dasher vers le haut. Ah, ça fait quoi ça? Ah. Que les mecs fantasment soit les lesbiennes, non, c'est même pas ça, c'est que bah, c'est comme je disais hier en fait, c'est qu'en gros, pendant tout le jeu, t'essayes de la sauver, donc ça me paraît un peu déconnant de la tuer à la fin, enfin de la sacrifier à la fin, alors que pendant tout le jeu, finalement, t'as toujours tout fait pour la sauver, quoi. Le comics fait suite à Life is Strange. Mais c'est un truc officiel ou c'est les mecs qui ont, ou c'est les gens qui ont fait un comics comme ça en se disant la suite ça pourrait être ça quoi. Ah, un petit côté puzzle ça. Donc si je recule ça. Ok. Ok, donc quand j'approche de ça, ça fait que ça se baisse. Oui officiel, ah bah ouais bah du coup je viens. Ouais. Merde! Ah, j'ai complètement dashé n'importe où. Ah mince. Mais sur le fait qu'on ait sauvé Chloé. D'accord. Ouais, bah. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, comme je disais, je suis allé voir l'autre fin sur YouTube et elle est pire l'autre fin, quoi. L'autre fin, elle est horrible, quoi. Parce que du coup, tu. Merde. Oui. Tu la laisses mourir, c'est. C'est vraiment super beau, hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. 3 chapitres des 32 pages, d'accord. Des choups. Oh, ils sont tout mignons, quoi. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, les trucs là. Hein. Enfin, pas grand chose, à mon avis. Et le comics, il vient de quoi? Il vient de la version de Deluxe ou un truc comme ça ou Je pense qu'il y a des trucs à aller récupérer là-haut quand même, mais bon, on ira après. Alors là, il y a quoi? Putain, c'est classe. Des loubibises. Mince. Non, rien. Ah mince, il me faut plus d'énergie. Ah bah. Désolé, hein. Ok. On va aller voir ce que ça fait.
Et du coup, je fais quoi avec ça? Cool. Ouais. Non, ah. Voilà. Oh. Moche. Ah tiens, du coup, il y a Regain. Regain, si tu veux, il y a Mouchi, il y a joué à... J'ai encore bouffé le nom du jeu, Shadow quelque chose, là. Le jeu, tu te demandais si c'était bien ou pas. Oh non! Donc c'est les questions un peu de Mouchi, hein, n'hésite pas. Bon, il pourra répondre à tes interrogations. Ah, Shadow of the Awakening, on a fait ça, je crois. Oh, mais c'est pas possible! Mais je suis nul. Pourquoi j'ai sauté n'importe comment? Cool. Focus sur vous and the Pearl Stone. Ah, classe. Ok. Par contre, là-bas, il y a enfin, je pense que c'est les trucs que j'ai pas fait là-bas. Mais bon, tant pis. Ok, donc ça me sert à me téléporter. Mais du coup, je peux revenir en arrière si je veux. C'est le coup des. C'est le truc avec les. Avec les plateformes qui montaient, qui descendaient là-bas, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais ouais, bon, c'est pas grave. On va aller se balader un peu plus loin. Pion! Putain, là, il y a un cube en hauteur, hein. Je sais pas comment le récupérer. Comme ça. Explore Stone, j'en ai eu 2 sur 4, cool. Les changements entre les persos et les fantômes donnent un gameplay intéressant, on dirait que c'est moi. Après le Gensage, c'est moi au départ. Je pense qu'il manque des mots dans ta phrase.
Ah ben, ah non, hein. J'ai cru qu'il y avait un truc qui brillait par là, mais en fait non. Zut. Bon bah, dommage. On va faire le tour. Waouh, trop bien, il y a des énormes dinosaures aussi. Je vais aller là-bas. Yo, Cam, je vais juste faire une blague de merde, lol, homo. C'est pas homo, c'est homno. Comme c'est cool. Ah mais c'est juste beaucoup trop beau. Ah mais c'est trop cool. Hein. C'est juste beaucoup trop cool. T'as envie de faire des t'as envie de faire des câlins aux bestioles quoi. Ah non c'est que ça la démo non. Ah oh, je suis triste. Je pensais que ça allait être un poil plus long quand même. Ah le... Ouais, c'est... Ouais. J'ai juste beaucoup trop envie... D'ailleurs, je vous remets le... Attends, je vais chercher, aller chercher un café. Et je vous remets le lien du Kickstarter si vous voulez jeter un coup d'œil. Je crois qu'il est encore pendant 2 ou 3 jours, il me semble. Je vais chercher un café, j'en ai. Mais je suis triste, je pensais que c'était un... qu'elle était un poil plus longue. Hein. Non, c'était quoi? C'était Shift. Biche. Mais même rien que cette phase-là, la phase de fin, là, elle donne trop envie de se balader, quoi. Quel rêve, j'avoue. Yeah. Attendez, je vais la relancer la démo. Si j'ai envie de, bah du coup j'ai envie de faire la première zone là, où j'avais fait demi-tour là avec les trucs qui montaient, qui redescendaient là. Peut-on regarder des jeux où il n'y a pas de nana, chat qui queen. Ça marche, des bisous Cam. On va te faire racketter de la thune sur Artifact. Hein. Ah, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite de développement, quoi. Après, de toute façon, moi j'y jouerai à la sortie hein, vu que j'ai backé le jeu. Par contre, j'ai juste backé, j'ai backé le jeu, j'ai pas backé pour avoir l'accès à l'alpha, bêta, etc. Parce que je me connais, quand j'ai accès au truc là, j'y joue à fond dans les versions, dans les premières versions, et puis finalement, je joue quasiment pas à la sortie donc. Ouais, c'est là-bas, je pense qu'il y a un truc à faire quand même. T'as tout là-bas, il y a un escalier aussi, on n'y est même pas allé. On va aller voir.
Non, apparemment, y'a rien là. Ah bah si, y'a complètement un cube là-bas. Eh ouais, je l'ai raté tout à l'heure celui-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 cubes à récupérer, je les ai même pas eu en fait. Ah bah ça se trouve le quatrième cube à récupérer il est là où justement j'étais bloqué. T'as la zik, elle est super sympa aussi. Là franchement je suis super content parce que vu que le jeu, vu que ça a marché son financement, je pense qu'il aura, il aura assez pour faire ce qu'il veut en fait. Et ça c'est cool. Ah bah il est là le cube. C'est que j'ai pas eu tout à l'heure. Non, ou celui-là je l'avais eu peut-être? Je sais plus. Non par contre le truc qui tourne là-haut, ça je l'ai pas eu. Pauvres bestioles, je les embête quoi. Ah, il y a une pierre là-haut. Ok, bah c'est bon. J'aurai les 4 pierres. J'aurai les 4 pierres de la démo. Je suis content. Par contre, faut absolument que j'arrive à aller, faut absolument que j'arrive à aller là-haut. En faisant ça, ça fait ça. Ça, ok. Jusque-là, tout va bien. Par contre, le problème, c'est après. Hein. Ça, dès qu'on s'en approche, en fait, ça se lève. Mais le truc, c'est que même si je dash, si je dash, ça marche comme si je m'en étais approché. Merde, je suis trop loin. Ah, peut-être passer, ouais, peut-être passer comme ça, en fait. Au lieu d'aller tout droit là-bas, passer par les côtés à chaque fois. Ok. Bien, ouais, j'aurais dû faire tout le tour en fait. D'accord, pour moi c'est bon. Je pense qu'en fait, ça, on pouvait comprendre assez facilement ce qu'il fallait faire. Hein. Ah bah je savais bien qu'il y a quelque chose là-bas. À votre avis, je peux faire YOLO, YOLO, je m'éclate par terre ou pas? Ou alors je tente l'arnaque genre ça. Eh merde. Bon bah... L'arnaque est complètement passée. Du coup, le monolithe qui est apparu, je me demande ce qu'il y a. Et en fait, apparemment, dans le jeu final, il y aura plein de pouvoirs, justement, de voyage, enfin, plein de trucs de déplacement et tout. Ça va être, enfin, le jeu, il a l'air d'être très porté sur la découverte, en fait.
Ça me fait super plaisir. Ah oui, bah ça y est, j'ai la main qui est... Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Able to regrief in the final game. Ah mince, d'accord. Ok. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit quelque chose en plus, quoi. Dextérité. Mon Dieu. Ah, cette panique, quoi. La vache. Mais je suis pas tombé. Et ça qui est important. C'est cool, les animaux au fond et tout. Y a un affaire, t'as ça ici. Hein. Yeah, j'ai les 4. Tididim. Et ça, et puis là, il n'y a plus rien. Hein. Ouais. Et là, c'est la tristesse, c'est la fin de la démo. Il n'y a rien qui est caché un peu ailleurs. Ouais. J'essaie de gratter, hein, de me dire, peut-être moyen d'avoir une petite zone, un petit quelque chose en plus. Mais bon, je ne pense pas malheureusement. Ouais, bah du coup maintenant j'ai très hâte, qui sortent, hein, sachant qu'il est prévu pour fin 2019, hein. Donc c'est vraiment pas tout de suite quoi. Un petit coup de surf quand même, fait plaisir. Ah, change caméra mode.
Ah! Eh ben alors! Non, mais c'est trop cool, les machins cachés de partout en fait. C'est génial! C'est génial! C'est aussi Stop Playing Mission of the Demon. Ah, mais c'est juste beaucoup trop cool! C'est carrément trop cool! Non, mais c'est fou quoi! Enfin, c'est fou, non, c'est pas fou, mais c'est trop bien! Ah, du coup, là, on se demande s'il y a encore des trucs à découvrir ou pas, quoi. Non, franchement, c'est génial, ça. Ah, je suis au bout du désert, là, par contre. Ouais, là, je crois que je suis quand même. Je suis quand même vraiment à la fin, là, pour le coup. Moi qui ai un truc par là-bas, mais on vous dirait pas. Wouhou! Bon, en tout cas, non, vraiment, bah, vraiment super sympa, hein. Vraiment, vraiment super sympa. Donc, wow. Bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en Kickstarter, comme je disais, hein, et puis voilà. Et puis, bah, moi, du coup, je vais attendre tranquillement, je vais attendre tranquillement la fin 2019, hein, pour tester le jeu, sachant que le Kickstarter, il en est à combien? Il en est à 200%, un truc comme ça, je crois. Peut-être même plus d'ailleurs. Ouais, ça a 74 000 sur 32 000, ouais, donc un peu plus de 200%. Il reste 3 jours, donc c'est cool. Et ouais, voilà, prévu pour septembre 2019, donc on verra bien. Et du coup, avec les stretch goals, ça donne quoi finalement? Donc il y a quoi? Donc Omnophone, ok. Animation Plus, Puzzle Plus, Downhill Time Trial. Flora, Fauna Plus, Lore Plus, Secret Ending. Et du coup, il y a le Final Goal à 95 000 pour les ports console et le photo mode. Après, c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément beaucoup, donc c'est pas bien grave ça. Mais ouais, très très bien. Très 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 bien. Ouais. Et donc du coup, ça fait 2 ans qu'il bosse dessus, sachant que les 8 derniers mois, il a bossé vraiment à temps complet dessus, quoi. Ouais, Downhill Time Trial, ouais. SSX dans le désert, exactement. Mais c'est assez fou, quoi, le mec, il fait ça tout seul. Hein, ça fait toujours halluciner les gens qui font les trucs tout seuls, comme ça. Hein. En vrai, ça va être tellement dur de faire un projet tout seul, enfin, à se motiver, c'est motivé pour un truc, je comprends, mais après, enfin, dès le moment difficile pour réussir à s'y remettre et tout, ça va être compliqué, quoi. Puis quand t'as vraiment des problèmes, bon, après, le mec, c'est un vétéran, enfin, il a déjà bossé dans d'autres studios avant et tout, quoi. C'est pas son premier jeu, mais c'est beau.
Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, Omno, très très cool. Très très cool, très très cool. Du coup, on va passer sur Brady, hein. Alors.